Patrice, allons-y. Bien, chef. Bien, chef. Inspecteur Vergès, montre-moi ton dernier livre. Tu vas m'en parler, parce qu'on a beaucoup de choses. Ce matin, c'est The Patrice Vergès Day. Bon baiser de Nice. Patrice, tu écris combien de bouquins par an ? Cette année, c'est une année record, mais l'année prochaine, je ne fais plus rien. Trois. Trois ? Même, j'écris un quatrième. Qui sont, on peut dire, des polars un peu érotiques. Oui, mais il y a de l'érotisme dans la vie. Non, mais j'écris des livres sur l'automobile aussi, Renault. Ah, oui, alors, j'écris un livre sur Opel aussi. C'est ça ? Ouais, j'écris un livre sur Opel. C'est une marque... Tu m'as toujours dit, Opel, c'est la marque mal aimée, c'est pas juste. Ah oui. C'est injuste, ouais, c'est ouais. Injuste. C'est injuste. C'est la plus méconnue des marques connues. Et là, tu vois, je roule avec une Insignia depuis quelques jours. Je suis assez enthousiasmé. Et je crois qu'on en parlera bientôt dans POA. Tu vas nous en dire tout le bien que tu as. Mais non, mais vraiment, vraiment. Bon, jolie, hein. Où sommes-nous, madame ? Parce que nous sommes passés très vite. On s'est garé là. Quelle ville ? Mias. Mias. Ah, Mias, voilà, non, mais on s'est en gros bon. Voilà, excusez-moi, j'ai pas de monnaie. Ah, on est bien. J'ai pas de monnaie, merci. Pas du tout, c'est un personnage. Voilà, c'est un livre qui se passe dans la région niçoise. Ouais. Et c'est un type qui a tout perdu, un peu comme nous. Toi, il a rien. Et sa femme est partie. Un peu comme nous. Il a perdu son travail, ou elle va partir. Il a perdu son travail, il n'a pas d'amis. Et un soir, il est invité à une soirée d'anciens élèves du lycée Masséna. Ouais. C'est un gros lycée Masséna. Et puis il rentre, il se rend compte. D'origine niçoise. Ouais. Et il se... Ah bon. Ouais. Et il se rend compte que c'est une erreur, c'est un quiproquo, c'est pas lui qui est invité. Et il rencontre une très très belle ancienne du lycée Masséna qui elle le reconnaît. Et là c'est le début d'un cauchemar. D'un cauchemar. Voilà. C'est chez Vent Salé, c'est un polar de 308 pages. Les gens aussi savent pas, ils peuvent te suivre sur Facebook, tu as ta page Facebook maintenant. Bien sûr. Hein, et dont tu parles souvent en avant-première de ce que tu vas raconter sur POA. Ah oui, oui. Notamment, parce que... là tu vas aller essayer une DS21 cabriolet, alors, c'est ça ? Demain, c'est deux lecteurs de POA, il y a au moins deux lecteurs. Ouais. C'est deux frères qui sont fous de la marque Citroën. Il y en a un qui a une très belle traction 15 chevaux 1950. 15 chevaux, faut expliquer, c'est celle qui avait un 6 cylindres. Voilà, qui avait un bruit de GMC, qui était, c'était la voiture du général de Gaulle avant qu'il soit... Après qu'il soit général, mais avant qu'il soit président. Donc à ce titre, elle peut venir quand elle veut sur POA. Voilà, et son frère a deux DS21, 67, modèle rare, avec les simples phares. D'accord. Et donc, on lira le sujet dans POA dans quelques semaines. Voilà. Parce que tu vas, il faut expliquer aux gens, tu traverses la France parfois pour aller voir des portraitistes, faire un portrait, etc. C'est que... pas au coin de la rue. Mais oui, je fais des kilomètres. On peut avoir un café, s'il vous plaît. Merci, Patrice.